On demande ici de former l'équation de la sphère passant par 4 points. 4 points donnés. Donc on aura... Je vais indiquer les 4 points sur GeoGebra. Donc elle doit passer par le point A qui est 1,1,1 pour le premier point. Second point, 2 moins 1, 0. Troisième point, 3, 1, 2. Le quatrième point, 1 moins 2, 3. Voilà, ça, ce sont les trois points. Vous voyez que c'est tout, tout petit. Donc, je vais zoomer tout ça pour voir apparaître. Bon, voilà. Là, c'est pas ce que je devais faire. Je m'excuse. Je vais enlever ça tout de suite. Effacer. Voilà. A, B, je vois pas où ce que ce point D, je ne le vois pas. Tout y est. Donc on doit tracer une sphère qui passe par ces quatre points-là, A, B, C, D. A, B, C, D. Bon, alors la première des choses à savoir, c'est que bon, la sphère, c'est une quadrique un peu spéciale. Parce que c'est en fait, c'est comme si on avait une espèce d'ellipsoïde. Hein, je vais mettre par exemple 9 plus y carré sur 16 plus z carré sur 25 égale 1. Oui, c'est une espèce une espèce de forme comme ceci, mais on n'a pas un grand axe et un petit axe suivant x, y, z. Hein, voilà, on n'a pas de grand axe, tout le même. C'est pour ça qu'on a un diamètre commun. Alors que pour l'ellipsoïde, c'est pas le cas. On n'a pas. Donc, c'est une espèce. Voilà, alors, sachant que ça, c'est une quadrique. Hein, l'ellipsoïde est une quadrique. L'ellipsoïde est une quadrique. Alors. Pourquoi c'est une quadrique? Je vais vous montrer tout de suite. Bon, tout d'abord, comment peut-on écrire l'ellipsoïde? L'ellipsoïde, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré moins 1 égale 0. Ou si vous voulez, vous pouvez pas faire passer le 1 de l'autre côté, vous aurez ceci. Ça, c'est une ellipsoïde, c'est une quadrique. Alors pourquoi une quadrique? Parce qu'elle répond à la formule que voici. Bon, et si vous avez voilà, A égale B égale C, ben, vous avez une sphère. Vous aurez x carré sur A carré plus y carré sur B carré plus z carré sur C carré égale 1. Mais comme A vaut B vaut C, ben, on aura a carré, a carré, a carré. On aura a carré. Ici, on aura a carré. Donc, on aura a carré, a carré, a carré. Et vous aurez reconnu, si je mets tout au même dénominateur, et que je fais passer les carrés à droite, ben, j'aurai ceci. Voilà, vous aurez reconnu la sphère centrale origine. Tout comme ici, on a une ellipsoïde centrale origine. Alors, c'est une quadrique, mais sans le... EXZ sans le F de XY, sans le DYZ. On a ça. C'est GX plus HY plus IZ plus J égale 0. Voilà, ça, c'est la sphère. Alors, je vais le voir tout de suite que c'est bien la sphère. Regardez bien. J'ai X moins A au carré.
Donc, je disais qu'on a x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r carré. Donc ici, il y a une relation juste entre les... On aura x carré moins 2ax plus a carré plus y carré moins 2by plus b carré plus z carré moins 2zc plus c carré égale r carré. Bon, toutes les constantes, je peux les ramener... en termes indépendants, que je vais appeler J. Donc j'aurai A carré, c'est une constante. B carré, c'est une constante. C carré, c'est une constante. Et le R carré, je le ramène à gauche pour avoir J. Voilà, égale 0. Donc qu'est-ce qui reste? X carré, toujours. Plus y carré toujours, plus z carré toujours, bon, bien sûr, plus j égale 0, il va rester moins 2ax. Alors, ici, j'ai effacé le carré, moins 2ax, moins 2by. Moins 2zc plus j, qui est la constante, égale 0. Bon, j'ai plus de place, donc il faudrait que je refasse un peu de place. Je vais faire du resserrage. Vous voyez l'équation de la quadrique, hein, où je vous disais qu'il n'y a pas de... tout d'abord, le ABC vaut 1 ici. A il vaut 1, le B il vaut 1, le C il vaut 1. Il n'y a pas de DYZ, ni de... Il y a pas de... Les variables n'interfèrent pas entre elles, ni de XY. Voilà. On a G de X, HY, on a ceci. Plus J. Et là, c'est l'équation de la sphère. Donc, ce qui veut dire qu'on aura... Moi, les doubles produits, je ne veux pas les mettre. Je vais mettre tout simplement une constante qui est alpha x plus alpha x plus bêta y plus gamma z plus j égale 0. Alors, le j, je vais l'appeler alpha, bêta, je vais l'appeler delta, parce que bon, je... Et, bien sûr, ça, c'est l'équation d'une sphère en général. Donc, c'est l'équation d'une sphère en général où... vu sous forme d'une quadrique. Hein. Voilà, ça c'est l'équation de la... Il a été écrasé là. C'est l'équation de la sphère. Sphère que je peux appeler phi. La sphère. Bon. Alors, on sait bien que elle doit passer par les points ABCD.
veut dire qu'elle doit vérifier l'équation 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré plus alpha x plus bêta y plus gamma z plus delta égale 0. Ensuite, la sphère doit vérifier 2 au carré 4, 4, moins 1 au carré 1, 0 au carré 0, et de nouveau, on retrouve ceci. Sur égale 0. Donc, voilà. Ensuite, je ne fais que pour l'instant les constantes. Hein. Je m'intéresserai après. Je remettrai après je fais d'abord les carrés. C'est ça que je suis en train de faire les carrés. Hein, juste. Et après, je m'arrangerai pour faire le x, y, z. Mais d'abord, je m'arrange pour faire les carrés. Je suis en train de traiter ceci. Dans un premier temps, c'est pour aller un peu plus vite. Comme ça, je fais que les carrés. Voilà. Alors, 3 au carré, 9. Plus 1 au carré, 1. Plus 2 au carré, 4. Plus, et de nouveau, alpha, bêta, gamma égale 0. Bien sûr, x, y, z. Et le dernier, 1 au carré, 1. Plus 2, moins 2 au carré 4 plus 9 plus ceci. Alors maintenant, je vais remplacer x, y, z par leurs valeurs. Alors x vaut 1 pour le premier. 1. 2 pour le deuxième, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Pour les Y, moins 1, 1, moins 2. 1, moins 1, 1, moins 2. 1, moins 1, 1, moins 2. Pour les z, 1, 0, 2, 3. 1, 0, 2 et 3. Donc, 1, 0, 2 et 3. Bon, ça, c'est ma première équation. Ma deuxième. Ma troisième et la quatrième équation. Voilà. Donc, maintenant, je vais écrire les équations. Alpha, je vais faire une recopie de tout ceci. Plus 1 plus 1 3, il passe dans le membre de droite, ça fait moins 3. 4 plus 1 5, il passe dans le membre de droite, moins 5. 14, il passe dans le membre de droite, moins 14. Et de nouveau, moins 14.
Le 1, je vais le mettre devant. Le 2, je vais le mettre devant. Le 3, je mets devant. Le 1, je mets devant. Les numérotations des équations, je vais les rapprocher. Le 1, je vais le remettre devant aussi. Là, on aura plus 1 bêta moins 1 bêta plus 1 bêta moins 2 bêta. Je vais effacer les coefficients ici. Moins 1 gamma. Moins 1, 0. Moins 1, plus 0 gamma, plus 2 et 3. 2 et 3. Et voilà mon système d'équations à résoudre. Il faut juste rechercher alpha, bêta, gamma. Donc on a alors le premier, j'ai déjà un doute sur le premier parce que j'avais 1 1 1. Ouais, c'était 1 1. Je peux pas avoir du moins. Ouais, c'était 1. C'est pas moins 1. Déjà, le premier est déjà mauvais. 1, 1, 1. Donc 1 alpha plus 1 bêta plus 1 gamma plus delta égale moins 3. 2 alpha moins bêta plus 0 gamma plus delta égale moins 5. 3 alpha plus 1 bêta plus 2 gamma plus delta égale moins 14. Et 1 alpha moins 2 bêta plus 3 gamma plus 1 delta égale moins 14. Voilà. Et on va résoudre ceci. Je vais les réduire en plus petit. Alors, je vais aller sur GeoGebra. Oui, on va faire ça. Sur GeoGebra. Bon, c'est pour aller un peu plus vite. Là, c'est alpha. Bêta, gamma, je sais pas pourquoi il veut déjà plus m'écrire ce fameux alpha, et ça c'est un petit peu embêtant. Voilà, il commence déjà à faire des siennes. Ça, je n'aime pas trop ça. Je vais recommencer dans une autre ligne. Bon, ça commence déjà. Et le terme indépendant.
1, 1, 1, 1, 4, 1, moins 3. Secours trompé ici. J'ai mis un égal, il est passé. 1, 2, 3, 4, 1, moins 3. deux moins 1, 0, 1. 2 moins 1, 0, 1, moins 5. 2 moins 1, 2 moins 1, 0, 1, moins 5. Trois, un, deux, un, moins 14. Trois, un, deux, un, moins 14. Le delta, il faut toujours un, et le dernier ici valait moins 14 aussi. Un moins deux, trois. Et voilà, j'ai ma matrice de traitement. Bien sûr, là-bas, il manque encore un alpha. Alors, je vais triangulariser, bien sûr, vous aurez compris que c'est. Je ne veux plus le prendre, lui, c'est alpha. Je vais triangulariser ça. Eh bien, je vais mettre un 0 à la seconde ligne. Alors, la seconde ligne, je vais faire la ligne 2 par rapport à la ligne 1. C'est la ligne 2 devient la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. La ligne 2 devient la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Donc j'ai égal moins 1 fois 2. Mon calcul égale celui-là moins deux fois celui-là. Ici, il a changé. C'est 1. Alors maintenant, je vais faire la ligne 3 va devenir la ligne 3 moins 3 fois
la ligne 1. J'ai bien 0. Voilà, 0. Pour la troisième, là, il me faut un 0. C'est égal à la ligne 4, ligne 4 moins la ligne 1. Donc ligne 4 moins ligne 1. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Moi, je peux pas avoir deux. On ne sait pas revenir en arrière là. Si, là, je suis là. Celui-là. Là, je vais faire égal. Celui-là. Moins celui-là. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, maintenant, je vais refaire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Je veux pas redescendre plus bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. C'est pas descendre, il remonte. Bon, c'est plus complexe hein, tout ça. De toute façon, j'ai plus besoin de ceci. Maintenant, je travaille avec la ligne 2. Je travaille avec la ligne 2. Donc ça va être comme il me fait voilà, je travaille avec la ligne 3, je m'excuse. Il veut pas descendre, hein, je m'excuse, mais bon, il remonte quand je redescends l'ascenseur. C'est vraiment, je trouve ça étrange, voilà, il glisse. Je trouve ça vraiment bizarre. Voilà, il est en train de monter tout seul. Bon, comme je faut que je trouve une astuce pour ça. Donc je vais travailler uniquement la ligne 3, en sachant que la ligne 2 est bonne. D'ailleurs, je vais mettre un B pour bon. La ligne 2, elle est terminée, elle est bonne. Et je vais travailler la ligne 3 pour qu'elle soit bonne. Donc, il me faut un 0. Je travaille la ligne 3 et la ligne 2. Je vais faire 3 fois la ligne 3 moins 2 fois la ligne 2. Donc, égal 3 fois la ligne 3 moins 2 fois la ligne 2. Je vais recommencer ça. Égal 3 fois la ligne 3 moins 2 fois la ligne 2. En espérant qu'il l'a pris. Bon, je vais tirer ça. Voilà. Et ça, maintenant, je considère que c'est bon. Hein. La ligne 3 est bonne. Et maintenant, je vais terminer la ligne 4. Je vais la traiter par rapport à cette ligne 3. Donc, pour terminer le traitement, je vais refaire quand même une copie en espérant que bon. Oui, je ferai la copie par après. Je vais terminer la ligne 4 égale
c'est la ligne 4 fois j'ai moins 3 moins 3, donc je fais, il suffit de faire plus. Non, moins, je m'excuse, moins. Ligne 3 moins. Il manque encore un 0, j'ai pas une triangularisation. Si j'en ai deux. Sur la troisième. Je suis en train de m'y perdre parce que voilà, il me permet pas de descente et je devrais faire une copie. Donc la matrice que j'ai pour l'instant, elle vaut 1, 1, 1, 1, moins 3. J'ai 1, 1, 1, 1 moins 3. Ensuite, j'ai ce qui est bon, c'est 0, moins 3, moins 2, moins 1, 1. Ensuite, ce qui est bon, c'est 0. Moins 2, moins 1, moins 2, et moins 5. Et ce qui est bon, c'est... oui, mais le problème, c'est que j'aurais dû pas faire ça. Ça, c'est la ligne 3. C'est ma ligne 3, oui, ça c'était ma ligne 3 de c'est ma ligne 3 de traitement. Heureusement que je m'en rappelle. 0. Heureusement que je me rappelle parce que en faisant ça, c'est mauvais, hein. On risque de s'y perdre fameusement. Donc j'ai bien 0, mes deux 0, je les ai obtenus. 1. Commence pas à me faire des siennes parce que quand je dis 1, c'est 1. Moins 4. Moins 17. Et la dernière. La dernière, je peux recopier. Voilà, la dernière, c'est 0. Moins 3. Zéro moins 11. Voilà. Alors maintenant, il faut un 2. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Voilà, j'étais un petit peu perdu, mais maintenant je commence à voir. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois faire la ligne. Je vais faire la ligne 4 avec la ligne 2. Je vais faire la ligne 4 avec la ligne 2. Donc, je vais faire égal. La ligne 4, c'est celui-là. Moins la ligne 2. C'est celle-là. Maintenant, je vais tirer. Voilà. Il ne reste plus que 4 à moins 12. Il reste plus que la dernière ligne. Je peux le faire par rapport à la ligne 3. Bon, mais ça, je vais le faire manuellement parce que je suis un petit peu embêté avec le fait que je ne sache pas redescendre. Vous voyez qu'il remonte. Je ne sais pas pourquoi ce truc-là. Je trouve ça étrange. Voilà, j'ai pas ça sur Excel ou sur. Bon, ce qui veut dire que je vais faire la dernière ligne. Je vais la traiter ici. Voilà.
je vais traiter donc la dernière ligne pour avoir un dernier zéro, la triangularisation. Et là, je peux faire la ligne 3, je vais faire la ligne 4 moins 3, 4 fois la ligne 1. 4 fois la ligne 1. Donc si je fais, bien sûr, 4 moins 4 fois 1, 1 moins 4, moins 12, moins 4 fois 1, fois moins 4 et fois moins 17. 4 moins 4, j'ai bien mon 0. 4 plus 16, ça fait 17. Et l'autre, il faut que je fasse un calcul écrit, un calcul par machine. 4 fois 17, moins 12, 56. Bon, alors je vais enlever la dernière. Donc, c'est 0, 17, 56. Je vais tirer une ligne ici. Bon, elle est pas tellement bien verticale, mais on s'en fout. Bon, alors je vous rappelle qu'ici c'est alpha, bêta, gamma, delta et le terme indépendant. Ce qui veut dire que 17 delta égale 56, delta égale 56 dix-septièmes. Delta égale 56 dix-septièmes. Donc delta égale 56 dix-septièmes. Donc je rappelle que c'est x carré plus y carré plus z carré plus alpha x plus bêta y plus gamma z plus delta égale 0. J'ai déjà 56 dix-septièmes ici. Alors maintenant, on sait bien que je prends la seconde, la deuxième ligne, la troisième. Là, c'est alpha, bêta, gamma, delta. Un gamma moins 4 delta égale moins 17. Un gamma moins 4 fois 56 dix-septièmes égale moins 17. Ce qui fait 17 gamma sur 17 moins 56 fois 4, 224 dix-septièmes égale moins 289, moins 289. Donc moins 289 plus 224, moins 65 dix-septièmes. Moins 65 dix-septièmes. Ça c'est gamma. Moins 65 dix-septièmes. Maintenant, je vais chercher la troisième équation. Moins 3 bêta moins 2 gamma moins
delta, je sais pas pourquoi il y a, ouais, moins delta égale 1. Alors, 56 dix-septièmes. 56 dix-septièmes. Moins 2 fois moins 65 dix-septièmes. Moins 3 bêta égale 1. On va calculer ça. Alors, 1 c'est 17 dix-septièmes. 17 plus 56 moins 2 fois 65 moins 57 dix-septièmes moins 19 dix-septièmes. Bon, je ne sais pas si je me souviens de me tromper. Parce que il me semble que le moins, je ne l'ai pas pris en compte dans le moins 3 bêta. Je recommence. Donc 17 plus 56 moins 2 fois 65. On a bien moins 57. Oui. Et comme je divise par moins 3, ce qui fait bien 19. Et enfin, on va faire le x, le alpha, je m'excuse. Le alpha, c'est 1, 1, 1 qui donne moins 3. Donc on a un alpha plus un bêta plus 1 alpha beta gamma plus 1 delta égale moins 3. Alors alpha je vais tout aller rechercher ici parce que chaque fois revenir en arrière. Alors, ce qui fait un delta, c'est 56 dix-septièmes. 56 plus un gamma, moins 65, plus un bêta, plus 19. Voilà. 10. Donc, je le fais passer dans le membre de droite, ça fait moins 10. Moins 10, moins 3 fois 17, moins 61, voilà ce qui fait moins 61. Donc alpha fait moins 61 dix-septièmes. X carré plus y carré plus z carré, je vais tout multiplier par 17, donc j'aurai x carré plus 17 y carré plus 17 z carré. Dans un premier temps, je vais mettre égal 0 pour pas qu'il vienne nous couper quoi que ce soit. Moins 61, je l'écris là, moins 61, pour me rappeler, plus 19, moins 65, plus 56. Bon, je vais noter ça. Moins 61x plus 19y moins
65z plus 56 égale 0. Bon, je vais le recommencer. 17x carré plus 17y carré plus 17z carré moins 61x plus 19y moins 65z plus 56 égale 0. Voilà, il passe bien par les 4 points. Il passe bien par les 4 points. Donc voilà, donc le traitement est bon. Hein. Il passe bien par les 4 points. Bon, maintenant, si je voulais faire un cercle, enfin une sphère, bon, passer par 4 points, on ne saurait pas, hein, ici, faire passer par 4 points de sphère. Soit vous avez centre point, sphère centre rayon, mais vous n'avez pas, si je vais chercher sphère, point rayon, point point, mais il n'y a pas par 4 points. Donc vous devez résoudre un système d'équations, de 4 équations, il y a 4 équations. A, alpha, bêta, gamma, delta, c'est-à-dire 4 équations à 4 inconnues, dont il faut triangulariser. Hein. Il faut faire un système de triangulation. Mais le problème ici, je n'étais pas aidé par le fameux tableur de GeoGebra, parce que je descends, il remonte. Ben, je ne sais pas pourquoi il me fait ça, mais... Je trouve ça étrange. Je vous remercie.